première fois que je l'ai rencontré, c'était au Tour de l'Ain. À l'époque, il était stagiaire dans l'équipe. C'était la première rencontre avec Nasser. Il a fait un petit peu de foot, il n'a pas accroché, donc après il s'est tourné vers le cyclisme. Et ça lui a plu tout de suite, donc ben, il a continué dans cette voie-là. Sa principale qualité, c'est l'explosivité et son placement lors des sprints, et surtout une position très aérodynamique qui lui permet d'avoir une bonne pénétration dans l'air. Et c'est des qualités qu'on recherche chez un sprinter. Donc lui, il les avait naturellement, il les avait bien travaillées en amont avec Karim, son père. Il me connaît très bien, c'est la personne au sein de l'équipe FDJ qui me connaît le mieux. Il sait quand je marche et quand ça va pas, on va dire. Jacques Descrillon et mon père, c'est les deux personnes qui m'entourent et qui sont là pour mes entraînements et voilà, parler tactique et tout ça, quoi. Mon père, je l'ai tous les jours au téléphone. C'est important pour moi, je suis quelqu'un qui est très famille. Et avec mon père, j'ai une grosse complicité. Ouais. J'aime lui dire mes sensations, comment je vais. C'est la personne en qui j'ai le plus confiance. Et voilà, je suis bien à travailler avec mon père. Voilà. Les valeurs, c'est surtout le boulot, hein, le travail. Et c'est ce qui est le plus important pour un sportif de haut niveau. C'est pas vraiment d'être doué, c'est d'avoir la faculté de pouvoir travailler. Et puis de travailler, pas se dire on va travailler juste sur une saison. Hein, c'est du travail depuis de nombreuses années. Je peux le dire, je serais pas où j'en suis sans mon père. Ouais. Il m'a toujours mis sur le droit chemin et toujours le travail. Parce que ouais, sans travail, pour moi, on n'arrive à rien dans la vie. Il faut toujours se remettre en question quand ça va pas et toujours aller de l'avant et travailler. Le cyclisme, c'est vraiment complexe. Il y a la diététique, il y a l'entraînement, il y a le repos, il y a les phases de récupération qui font partie de l'entraînement. Donc c'est vraiment un travail très, très, très compliqué. C'est ce qui est le plus important, le récup, le sport de haut niveau. S'entraîner, c'est une chose, mais surtout bien récupérer. Parce que si on ne récupère pas, si on néglige la récupération, on ne progresse pas. Celui qui ne fait pas le métier, comme on dit, qui néglige le massage, l'hydratation, la nourriture, eh ben, il ne peut pas encaisser les charges de travail, hein, c'est pas possible. Ça va ? Il n'y a pas de toxine. Ryan, il a un parcours assez différent. Et il a fait du foot pendant presque 8 ans, hein, je pense. Il a fait quelques entraînements avec son frère. Ça m'a donné envie d'en faire suite à son passage chez les pros. Et mon papa aussi m'a donné l'envie d'en faire parce que bah, il me disait toujours que j'avais le profil d'un coureur cycliste. Et donc venant de lui, ça pouvait être qu'une chose de bon à prendre. J'ai commencé à être professionnel, je l'ai mis sur vélo, je lui ai dit viens faire un entraînement avec moi et j'ai tout de suite vu qu'il avait vraiment des qualités pour ça. Et il est venu à moi en me demandant de l'inscrire pour pouvoir faire de la compétition il y a de ça 4 années. C'est quelqu'un qui a une grosse marge de progression, qui est très sérieux à l'entraînement, pareil, là, je pense qu'on a les mêmes qualités sur ne jamais rechigner et puis aller toujours de l'avant, travailler. C'est un gagneur aussi. Et je m'entraîne le plus possible avec. Hein. À chaque fois que je peux aller rouler avec lui, je le fais. La charge de travail qui lui aurait été imposée n'était pas très élevée. Elle était en adéquation avec leur âge. Si vous avez une surcharge de travail jeune, vous avez une lassitude de ce que vous faites. Le gros avantage qu'avait Nasser, c'est que par rapport à beaucoup de jeunes cyclistes de son âge qui ont évolué en école de cyclisme, c'est sûrement un des seuls qui laissait son vélo pendant 3 mois pour faire autre chose. Donc quand il reprenait son vélo, mentalement, il avait vraiment envie de le reprendre et puis d'aller faire des compétitions. Les Vosges, c'est vraiment un beau terrain de jeu puisque les cols sont assez pentus et il y a très peu de vallées, donc ce qui permet d'enchaîner les cols sans perdre son temps, je dirais, dans les vallées. Il s'entraînait tout le temps, toute sa carrière, il s'entraînait ici. Hein. Toute sa carrière, il n'a pas été s'expatrier. Avant le championnat du monde, il a fait entre 10 et 15 jours d'entraînement ici pour préparer les championnats du monde. 15 jours au championnat du monde, c'est quand même important de faire du rythme. Et le cyclocross, c'est un moyen idéal. J'ai envie de dire, c'est juste plus compliqué dans la tête de se lancer dans un cyclocross régional que dans une course professionnelle route.
Mais voilà, on a fait ce qu'il fallait. Voilà, on a fait 2 heures de route avant, on est là, on va se faire 50 minutes à bloc. Et c'est presque même pas plus mal. Bah moi je le trouve bien concentré, on sent qu'il est dans l'objectif, on sent que bah c'est la dernière ligne droite là. D'ici dimanche, il est concentré, il commence à être bien dans sa bulle, donc il parle un petit peu moins, il est un petit peu plus secret je dirais, mais on sent de la détermination et de l'envie pour ces championnats du monde. C'est la fin de saison, mais c'est surtout la grande fête du cyclisme mondial. C'est l'endroit où se retrouvent les meilleurs coureurs du moment. Mais c'est aussi l'endroit où on peut retrouver tous les anciens, ceux qui ont voyé par le passé, qui ont remporté des titres. Voilà, c'est un endroit où il y a beaucoup d'échanges, où les juniors côtoient les féminines et les professionnels. Donc c'est toujours une semaine très agréable. Nasser, c'est le super sprinter qu'on connaît. Il est très motivé pour faire ce championnat du monde. Moi, j'ai révisé un petit peu mes plans sur ce que j'avais évoqué ou ce que j'avais pu donner par les interviews les débuts d'année. C'est un coureur comme j'approuve, hein, parce que c'est un garçon qui est très sérieux, qui sait ce qu'il veut. Un sprinter, c'est quelqu'un qui a beaucoup de tempérament. Si vous n'avez pas de tempérament, dans un sprint, vous ne pouvez pas vous affirmer, vous pouvez pas vous... c'est impossible, quoi. Et donc, lui, il en fait partie, quoi. Ses talents de battant, un peu atypique, ben, le valorise, enfin lui donne des atouts supplémentaires pour le sprint, quoi. C'est un coureur qui lâche rien, quoi. Et malgré tout, on connaît que les sprinteurs, ce sont quand même des gens un peu atypiques, et lui, il en fait partie, c'est normal. Il est hyper sincère, peut-être qu'il y a certains qui n'aiment pas forcément qu'il soit à cash, mais bon, après, moi, je préfère 100 fois un mec comme ça qui dise les choses en face qu'autrement. Non, ouais, c'est ce qui le rend vraiment atypique, quoi. La série fait le vélo. Regarde, c'est maintenant. C'est 50. J'ai mis 10 ce matin. 8 kg 740. Oh. Ah, il s'énerve. 23, 12, 12 et plus 25, ça fait bon, tu vois, 37, ouais, 37. Si, ça fait. Ouais, c'est 60 bornes. Ça fait 60 bornes en gros. Un championnat du monde, ça se prépare, c'est un grand rendez-vous. Tout le monde rêve de porter le maillot de champion du monde, donc moi j'ai fait le maximum pour être à 100% dimanche. J'ai fait tous les sacrifices qu'il faut. 4 mm de dénivelé, c'est quand même quelque chose. Après, faut voir le scénario de la course, hein. on peut pas faire des scénarios à l'avance. Une course d'un jour, c'est voilà, il peut avoir plein de bouleversements, on ne peut pas savoir. En tout cas, physiquement, j'ai fait le maximum pour être prêt. Il a très bien couru. Après, je vous dis, la course, elle s'est jouée à rien. À rien du tout. Serge, c'est une personne qui va pas dans l'inconnu. Hein. Il se donne les moyens d'y arriver. Et puis, aller au championnat du monde, c'était pour aller chercher un résultat. Il a fait 10e. Si le déroulement de l'épreuve avait été un peu plus favorable pour lui, il aurait pu très bien gagner. Ça se joue à rien. C'était une occasion en or. Ouais, une occasion en or. Après. Moi, je peux pas dire ça parce qu'il y en avait 5 ou 6 qui étaient quand même plus costauds que moi aujourd'hui parce qu'ils sont sortis dans la dernière montée. Après moi, le top, ce serait que ça rentre. Et voilà, les collègues ont fait un gros boulot aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas non plus faire le boulot et être là dans le final. Je m'y attendais aussi. Ryan, il a fait une bonne course quand même, mais comment dire, il n'était pas dans une grande forme ce jour-là. Bon, néanmoins, il n'a pas abandonné, il était au bout de lui-même. Et il va chercher une 43e place avec 200 coureurs au départ, sans abandon. Donc c'est vous dire si ce championnat a été exigeant et difficile. Parce que la plupart des jeunes qui vont sur un championnat du monde, c'est peut-être le seul championnat du monde qu'ils effectueront dans leur vie.
Donc quand vous voyez qu'il y en a 100 qui descendent de leur vélo pour abandonner, ça veut quand même dire quelque chose. Pour être bon à vélo, il faut du talent, mais il faut aussi beaucoup travailler. Donc s'il a ces deux qualités, ça veut dire qu'il est sur la bonne voie. Il est fidèle, fidèle dans le travail, fidèle en amitié. Et puis c'est quelqu'un de généreux. À la base, c'est des relations humaines. Et avec la famille Boigny, on est bien dans cette relation. Et c'est ce qui fait que bon, ça se passe bien. On est toujours comme ça à la maison. On est tous sur le même pied d'égalité. On discute, on échange et on progresse. On progresse et dans les discussions. Si vous voulez garder pour vous vos lacunes, c'est dommage pour vous parce qu'il y a peut-être 3 personnes autour de la table qui ont la réponse. Il y a quelque chose qui dégage, quoi. Il y a quelque chose qui fait que je suis accroché à lui depuis 4 ans et que je vais le suivre encore l'année prochaine. Ouais, il a un talent fou, quoi. Il a un mental hors norme. C'est un bosseur, c'est vraiment un bosseur et c'est ce qui fait que je l'apprécie et que je suis encore avec lui maintenant. À chaque fois qu'il se présente sur une course, qu'elle soit petite ou grosse, il aura toujours la même envie et la même détermination sur chacune des départs. Je suis sûr qu'il a un très grand avenir. Il a un très grand avenir. Parce que c'est justement ses qualités de sprinter et puis ce battant qu'il est, enfin ce combatif qu'il est, il remportera les plus grandes épreuves. Quoi. Bon, le championnat du monde, si c'est pas cette année, ça sera une autre année. Puis encore beaucoup d'étapes sur le tour, et etc. Quoi. Ça, j'en suis sûr. Il a l'air d'avoir la tête sur les épaules et ça, c'est important parce qu'il n'est qu'au début. Il faut garder les pieds sur terre. D'accord, donc on va peut-être entendre parler des frères Boigny un petit bout de temps. Ça a déjà commencé et ça va durer un petit moment, je crois. Ouais.